Alors bonjour à tous, bonjour Fabien. Bonjour Jérôme. Alors aujourd'hui je suis avec Fabien Snoart qui est un spécialiste de l'apprentissage des langues et notamment d'anglais. Donc tu es le fondateur de Bilingue Anglais, c'est ça? C'est ça, depuis 10 ans déjà, le temps passe vite. Wow, 10 ans, donc tu as voyagé, tu fais plusieurs fois le tour du monde. Là en ce moment tu es posé. Là, ça fait 2 ans que tu es à Budapest, en Hongrie, et ce qui t'a permis d'apprendre aussi le hongrois, en plus de l'anglais, je crois, enfin, tu as appris plein de langues. Ça, je parle hongrois depuis quelques années. Je suis encore à un niveau intermédiaire, mais c'est une langue que je peux utiliser au quotidien. Je Ouais. parle aussi russe parce que mon épouse est russe. Et je parle un peu espagnol et anglais, évidemment. Ok. Bon, bah super. Et aussi, tu interviens donc pendant la semaine du développement, plus précisément donc le mardi 24. À 19h pour une web conférence sur comment apprendre l'anglais et apprendre et aider son enfant à apprendre cette langue également. C'est ça, on verra les deux. Donc, alors aujourd'hui, on va pas parler directement de l'apprentissage des langues, mais plus sur l'apprentissage de manière générale et notamment toi, comment tu organises ton quotidien pour apprendre continuellement parce que en fait, ça fait partie de ton quotidien. Tous les jours, tu apprends, si j'ai bien compris. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu as un quotidien un peu type, justement, dans lequel tu as installé des habitudes ou des bonnes pratiques, justement, pour continuer d'apprendre quotidiennement? Alors, c'est ça, j'adore vraiment apprendre, c'est mon activité préférée et je pense que c'est une chance d'être entrepreneur à ce niveau-là parce qu'il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et du coup on s'ennuie jamais. Et donc c'est un sujet qui me passionne depuis des années et ce que je peux décrire, c'est en somme une journée type. À une époque, j'étais vraiment désorganisé, j'avais pas de discipline, je voulais faire plein de choses, mais j'arrivais jamais à boucler des projets, c'était vraiment frustrant. Et puis j'ai lu pas mal de choses, notamment l'anglais. L'anglais ouvre la porte à ces sujets-là. Et voilà, je peux décrire une journée type. Alors du moment où je me lève, naturellement, sans réveil, c'est la chance de travailler de chez soi. Au soir, du coup, on peut voir qu'il y a, voilà, je peux décrire plein de choses qui permettent d'apprendre. Alors, la première chose qui m'a énormément aidé, c'est le principe de rituel du matin. Donc, c'est l'idée d'avoir comme une rampe de lancement des petites habitudes. C'est pour ça qu'on appelle ça un rituel, qu'on fait toujours dans l'ordre pour bien démarrer sa journée. Je vais donner le mien en exemple. Ensuite, c'est pas forcément à suivre à la lettre, c'est adapté selon ses envies et ses besoins. Mais le mien fonctionne bien par rapport à mes buts. Donc, si ça peut inspirer des personnes, ce sera idéal. Alors, concrètement, quand je me lève, la première chose que je fais, ça peut paraître anecdotique, mais c'est juste que je vais me brosser les dents. Je me balance de l'eau sur le visage pour me rafraîchir. Et direct, je vais boire de l'eau, en fait. Je passe à peu près les 40 premières minutes de la journée à boire beaucoup d'eau. Et ouais, je bois au moins un demi-litre d'eau. Et avec l'habitude, maintenant, même plus. Et ce que ça fait, c'est que ça me réveille direct, en fait. J'ai pas besoin de café, j'ai pas besoin d'excitant. Juste l'eau, ça me réveille bien. En général, je me réveille naturellement, donc j'ai assez dormi. Mais si j'ai besoin Enfin, si j'ai besoin de mettre un réveil un jour, ça m'aide. Je fais la même chose parce que ça m'aide à bien me réveiller. Ensuite, je pratique les langues vivantes pendant simplement 10 minutes par jour avec un minuteur. Comme ça, je sais que je ne dépasse pas. Ma priorité, c'est l'idée du rituel du matin, c'est d'être rapidement en état de faire ce qui est le plus important pour nous. Et les langues, c'est facile de les négliger parce qu'on se dit toujours qu'on n'a jamais de temps. Mais voilà, je fais au moins 10 minutes. Alors actuellement, c'est 10 minutes de russe tous les matins. Parce que c'est la langue sur laquelle je veux le plus progresser. Et quand le minuteur sonne, ben, typiquement, j'arrête là et je note ce que j'ai fait. On parlera de la prise de notes tout à l'heure. Je note ce que j'ai fait et je note où reprendre. Mais comme ça, au moins, chaque jour, j'ai au moins 10 minutes de russe. Et ça m'a permis de me remettre à une langue pour laquelle je n'avais pas assez de temps. Ensuite, je fais du sport pendant 5-10 minutes. J'ai quelques séries qui m'aident donc à me réveiller. Après de m'être réveillé mentalement, je peux me réveiller physiquement en faisant un peu de sport. Ouais, Et ça me quel bloque type vraiment pas de temps. d'exercice sportif C'est vraiment tout simple. Je fais des pull-ups, Ok. donc des tractions. Je sais même plus comment. Je sais plus parler français. Ouais, je crois que c'est ça, des tractions en fait, avec la barre Il y a deux horizontale. types de tractions. Moi, j'ai les mains comme ça plutôt que comme ça. Mmh. Je fais une série jusqu'à épuisement. Ensuite, je fais une série de 20 pompes. Ensuite, je répète la même chose, une autre série de tractions, une autre série de pompes. Et je finis avec des haltères pour les biceps. Et alors, ce n'est pas forcément le programme de musculation le plus complet, mais ça amène à faire un effort physique assez rapidement le matin et du coup, ça réveille. Et tout ça, l'air de rien, avec les temps de flottement, ça me prend peut-être 40 minutes. Et ensuite, je me mets à bosser, sans prendre de petit déjeuner, je me mets à bosser.
avec un minuteur aussi, 50 minutes. La magie du minuteur, c'est que ça permet de se concentrer. Il y a plein de noms pour la technique. Il y a la technique Pomodoro, évidemment, qui est assez connue. Moi, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de bosser avec des sessions de 50 minutes maximum. Et ensuite, je prends mon petit déjeuner et je répète ça tout au long de la journée. Pour ce qui est d'apprendre, je regarde une série télé en russe, même si c'est encore très difficile à mon niveau. Je dois avoir un niveau B1 à peu près. J'ai beaucoup de vocabulaire, mais je fais plein de fautes de grammaire que je suis en train de réparer. Mais voilà, à la pause déjeuner, j'ai un peu de russe. Ensuite, le soir, avec ma femme, je parle un peu russe. Mais voilà, tout au long de la journée, je bosse comme ça avec un minuteur. Et ça m'aide à gérer ma concentration, en fait. Et forcément, si on veut apprendre, ben, la concentration, c'est indispensable. Il faut savoir la gérer. Ok, donc en fait, si j'ai bien compris, tu t'es fixé en gros en amont en fait des grands objectifs d'apprentissage. Donc toi, en l'occurrence, c'est l'apprentissage du russe. Donc en fait, pour une autre personne, si on doit transposer ça à une autre personne, c'est pas forcément apprendre le russe, mais ça va être par exemple, j'ai envie d'apprendre la guitare ou j'ai envie d'apprendre le code. Et par rapport à cet objectif-là, si j'ai bien compris, la clé c'est la répétition quotidienne. C'est-à-dire même si c'est que C'est 10 ça, minutes. c'est ça. C'est 10 d'être minutes tous les régulier. jours, C'est d'être régulier. ça va permettre d'avancer plutôt que de se dire on va faire ça une fois par mois pendant 2 jours, C'est quoi. ça. Si on avait qu'une heure, alors il y a un petit paradoxe là-dedans parce que 10 minutes par jour pour apprendre une langue, ça suffit pas. On a besoin de plus. Mais ce que font ces petites 10 minutes par jour, c'est que au moins chaque jour, on en a fait un petit peu. Du coup, on n'oublie pas déjà ce qu'on connaît parce que c'est le gros problème des langues, c'est que si on les laisse de côté, voilà, on s'affaiblit. C'est comme un muscle qui s'atrophie, on perd tout. Et c'est dommage parce que même si on a fourni des efforts, on finit par perdre le fruit de ces efforts. Mais ce que ça fait des 10 minutes, c'est que ça met le doigt dans l'engrenage quelque part. On est content de soi parce qu'on en a fait un peu et ça va nous encourager à en faire un peu plus dans la journée. Et aussi un truc qui me vient aussi par rapport à ça, c'est que l'une des clés pour l'apprentissage des langues, c'est l'immersion et notamment le fait d'être entouré d'autres personnes qui parlent cette langue-là. Donc toi en l'occurrence ta femme, moi par exemple je vis à Londres et du coup je suis entouré d'anglophones. Et finalement on peut dupliquer ça aussi à d'autres domaines. Donc par exemple je suis en ce moment en train d'apprendre le kung-fu et ce qui m'aide également au-delà du fait de prendre des cours, c'est le fait d'appartenir à un groupe et d'apprendre avec d'autres personnes. Il y a une sorte d'émulation de groupe qui fait que même en groupe, même en binôme, hein, ça n'a pas besoin d'être un groupe de Oui, c'est 15. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ça aide en fait. Donc finalement, là j'ai pris l'exemple du code, mais si on est entrepreneur, si on est entouré d'entrepreneurs, ça aide à apprendre aussi. Donc du coup, moi, ce que j'entends par rapport à ce que tu dis, il y a aussi cette notion d'être au moins à deux, voire plus, pour pouvoir apprendre également. Ou de manière plus vaste, on pourrait voir ça comme la question de l'environnement. Est-ce qu'on a un environnement qui nous soutient dans ce qu'on fait? Et quelque part, le rituel du matin, en quoi il aide aussi, c'est qu'il nous aide à nous mettre sur la bonne voie. C'est pas toujours évident de choisir son environnement à la lettre. Par exemple, si on veut écrire un livre, eh bien, il faudra avoir suffisamment de temps libre où on est concentré pour faire que ça. Le grand piège de notre époque, c'est qu'on a une mine de connaissances de tous les côtés grâce à Internet. Et depuis quelques années, on a même l'explosion des distractions. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'environnement nous serve au lieu qu'il nous desserve? Et c'est là qu'avoir des personnes pour nous aider, moi je vois ça en business aussi. Je parlais du russe tout à l'heure parce que comment dire, c'est là un point de vue personnel que je progressais le plus. Ensuite, un point de vue professionnel, c'est mon travail qui prime et je commence ma journée après le russe par ça. Mais bah, pour en revenir à l'entrepreneuriat et à l'environnement et au fait d'avoir des personnes qui nous encouragent, j'ai un mastermind. Et comme tu dis, on n'a pas besoin d'être nombreux. J'ai un mastermind avec juste une personne, en fait, un ami que je connais depuis peut-être 9 mois maintenant, quelque chose comme ça. Et lui, il enseigne le français sur Internet. Il a un blog qui est très populaire. Pas Et il n'a pas français beaucoup de authentique, produits. non. Pardon? Non, par contre, ils se connaissent. C'est D'accord, Benjamin ok. Benjamin Le monde aurait été Tech. petit si c'était Yann Tech Ils Fact. se Ok. connaissent. Et donc on a un mastermind juste une fois par semaine, mais comme ça nous encourage à avancer sur nos projets. Moi j'ai de l'expérience dans la création de produits, donc je peux l'aider là-dedans. Et lui il a beaucoup d'expérience dans le blogging et il m'aide là-dedans. Et c'est vraiment mutuellement bénéfique, c'est complémentaire. Et le simple fait d'avoir des comptes à rendre, en fait, voilà, quand on a un mastermind qui arrive, je sais que j'ai envie de pouvoir lui raconter que j'ai fait plein de trucs bien de la semaine, tu vois. Ouais. J'imagine que c'est similaire pour toi en kung-fu, que ce soit vous entraînez ensemble ou quand vous entraînez chacun de votre côté, pouvoir en parler ensuite. Et ça c'est vraiment bénéfique. Non, c'est clair. Et pareil, le fait, moi j'ai la chance de travailler avec des associés, donc ça fait quelques années maintenant que je travaille plus seul, et ça change tout en fait.
puisque tu es en mastermind constant quand tu es avec des associés. Et on n'est pas obligé d'être associé, je veux dire, légalement, à travers la création d'entreprise. Ça peut être des partenaires, etc. Et c'est vrai que ça change vraiment la dynamique, surtout en termes d'apprentissage. J'avais envie de te poser. Alors, allez, quand même, j'ai envie de poser cette question-là. On va essayer de faire court, parce que je sais que tu as envie de parler plein d'autres choses. Mais tu parlais, justement, c'est un sujet qui m'intéresse énormément sur le fait donc qu'on est sollicité par les distractions. Il y a une espèce de pollution ambiante depuis des années, donc de sollicitation de notre attention, que ce soit par Internet, etc. Toi, qu'est-ce que tu fais pour réussir à rester focus malgré toutes ces distractions? Il y a plusieurs choses. Il y a le fait déjà de couper les interruptions à la base. Donc, plutôt que d'aller sur Facebook, si on veut vraiment utiliser la fonction Facebook pour rester en contact avec les gens, on peut utiliser juste Facebook Messenger, par exemple. Parce que à une époque, le drame, entre guillemets, ou ça dépend à quel point on voit les choses sérieusement, le drame qui empêchait les gens d'apprendre, c'était la télé. Et de nos jours, la télé, ben, c'est Facebook, en fait. C'est, on peut passer des heures à regarder des choses qui nous apportent rien, et ça nous occupe, mais ça nous apporte rien de profond. Ça nous apporte pas le lien social qu'on désire, et ça nous apprend pas à être concentré sur des projets qui nous apportent quelque chose non plus. Donc, ben, les couper à la base. Il y a une grande ironie, c'est que j'ai une application slash formation qui est très populaire et qui fonctionne sur smartphone, sur ordinateur, smartphone et tablette. Mais personnellement, actuellement, j'ai pas de smartphone en fait, et j'ai pas le désir d'en avoir pour l'instant. Parce que je suis sur l'écran toute la journée à travailler, à produire des choses. Et ensuite, quand je me repose, je veux changer de mode. Je veux être déconnecté des écrans et je veux me reposer. Donc, c'est un exemple pour couper ça. Ensuite, c'est la discipline. Et la discipline, comment on la construit? Ben, il y a la lecture, il y a des bouquins comme les livres de Stephen Covey, les 7 habits des gens qui réussissent. Il y a The Powerful Engagement qui parle de gérer son énergie plutôt que de gérer son temps. Et le minuteur, c'est une clé de plus. Si on peut être au moins. Enfin, voilà. Et ensuite, quand j'ai une pause, de pas aller sur les écrans, mais juste ça peut être de faire de la méditation, ça peut être de faire de la guitare, ça peut être de juste s'allonger sur le canapé et souffler, qui est quelque chose qu'on n'a pas vraiment dans la culture du travail, parce que c'est ça l'ironie. On est quelque part forgé par l'idée de travailler en entreprise, même quand on bosse de chez nous, ça nous influence quand même inconsciemment. Et on a du mal à imaginer que quelqu'un qui bosse super bien, il va aller se poser sur un canapé dans une salle de repos, alors que des fois, c'est juste ça qu'il faudrait faire. Des fois, la meilleure chose à faire dans l'après-midi, surtout quand on a une bonne matinée dont on est fier, c'est de faire une sieste de 20 minutes pour récupérer son énergie, et c'est comme si on avait 2 journées pour le prix d'une ensuite. Donc Ah, tous ces c'est comportements. clair, ça fait penser à un MOOC que j'ai suivi venant de l'Université de Californie sur justement le How to Learn to Learn. Et tu l'as fait aussi? Je sais pas si on parle du même. J'ai pas suivi. J'ai un ami qui me parlait d'un cours comme ça Ouais, et c'est vraiment pour super en fait, donc avec la petite certification, etc. Mais là-dedans, donc la professeure chercheur qui anime ce MOOC, donc Massive Open Online Courses pour les personnes qui ne savent pas ce que, enfin qui ont peut-être pas entendu parler de MOOC. Donc c'est des cours en ligne gratuits et avec énormément de personnes qui suivent, avec une énorme communauté qui se construit. Donc c'est une manière intéressante d'apprendre. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce qu'elle dit, c'est qu'on a besoin de deux états d'esprit pour que le cerveau fonctionne de manière optimale. Il y a l'état d'esprit focus, justement, pour pouvoir être concentré sur une tâche. Donc ça, bah, on a besoin pour être productif. Mais le cerveau a également besoin d'un état d'esprit diffus, justement, qui est l'opposé du focus. C'est un état d'esprit qui permet au cerveau de respirer, de souffler, parce que bah, le focus demande un effort, alors que le diffus, bah, justement, permet de souffler. Et du coup, bah, c'est hyper intéressant donc, par rapport à ce que tu dis. Sur ce point-là, quelque chose qui aide, c'est Ben Pagan, quelqu'un qui est pas vraiment connu en France, mais c'est un peu un de mes mentors, aux limites gourou. Donc Ben Pagan, il parle de l'idée de, en anglais, switching channels, donc l'idée de changer de chaîne, comme on peut regarder la télé, changer de chaîne. Donc passer d'un état d'esprit à un autre, c'est aussi passer d'un état peut-être mental à un état physique. Donc concrètement, si on est concentré sur l'ordi, assis, eh bien la bonne chose à faire au bout de cette session de travail, c'est de se lever, peut-être aller prendre l'air, peut-être faire de la guitare, parce que au lieu de réfléchir d'un point de vue logique, on va se détendre ou enfin voilà, l'idée de passer d'une activité à l'autre, faire du sport aussi. Depuis que je me suis remis au sport, ça joue beaucoup sur l'humeur aussi. Ça permet d'avoir plus d'énergie, de meilleure humeur, et aussi c'est un bon moyen d'avoir une vraie coupure.
Alors, je vais peut-être faire quelques tractions quand j'ai une pause. Et du coup, c'est pas un gros effort parce que c'est juste des petits efforts par-ci par-là, mais ça permet de progresser un peu comme en langue ou en faire un peu tout le temps, et eh bien on progresse sans s'en rendre compte en fait. Ouais, clairement. Et par rapport à ce que tu dis, moi, c'est pour ça que j'ai envie aussi de tester le format podcast parce que ça permet aussi de déconnecter son écran parce que finalement, ça prend énormément de temps et d'énergie. Bref, je vais essayer de revenir sur le sujet, enfin, sur ce que tu voulais parler parce que c'est passionnant, c'est pas forcément évident. Et tu disais qu'en fait, l'une des clés justement pour toi pour apprendre avec efficacité, c'est la prise de notes. C'est ça, c'est ça. Alors la prise de notes au sens très large, c'est-à-dire comment s'organiser pour savoir ce qu'on a fait, parce que c'est bête à dire, mais surtout quand on est entrepreneur, des fois on se demande ce qu'on a fait en fait, au bout d'une journée de travail, savoir ce qu'on a fait, ce qui va nous permettre d'avoir du retour pour voir si on est sur la bonne voie. Et puis aussi, ce que ça permet, c'est de reprendre plus facilement le travail. J'ai donné un exemple. À l'époque où je débutais mes projets, notamment sur bilingueanglais.com, j'avais un boulot normal à l'époque et je bossais sur mon projet le soir, la nuit ou en vacances. En fait, je prenais des vacances et en fait, je bossais. Et c'était pas toujours évident de s'y remettre parce qu'il y a des périodes en fait où j'étais débordé par mon boulot normal et je reprenais le boulot et je savais même plus où j'en étais en fait. Et je passais peut-être quelques heures à débuter quelque chose pour me rendre compte simplement que en fait j'avais déjà trouvé la solution à un problème ou que j'avais plus intérêt à me concentrer sur une autre chose. Et donc il y a une technique que j'utilise depuis quelques années, c'est un journal de travail. Ça fait je sais pas combien ça doit faire ça fait 10 ans que je tiens un journal personnel, mais depuis quelques années je tiens ce que j'appelle un journal de travail, où je note simplement à la fin d'une session de travail. Alors chaque jour je note la date et à la fin de chaque session de travail, en général avec un minuteur, enfin toujours avec un minuteur, je note ce que j'ai fait et le type d'activité. Donc j'ai noté par exemple blog.article et puis combien de temps j'ai bossé sur l'article et je mets quel article c'était et ce que j'ai fait. Ou bien par exemple j'ai un lancement de produit ou un relancement de produit, je note ce que j'ai fait et à chaque fois je note ce que je dois faire ensuite en fait. Ça veut dire qu'après ma pause de 10 minutes, ou le lendemain, le lendemain quand je reprends le travail, je sais toujours où je dois reprendre mon travail en fait. Alors, rien que ça me fait gagner du temps en fait. C'est un petit détail, mais chaque jour, voilà, si on peut être un peu plus efficace de quelques pourcentages chaque jour, c'est intéressant. Et je note aussi les problèmes que j'ai rencontrés et de préférence, si c'est possible, la solution au problème, ce genre de choses, parce qu'en réalité, il y a des mêmes problèmes qui retombent. Ça peut être un problème technique, ça peut être un défi autre dans le marketing, dans la création de produits, ça peut être plein de choses différentes. Mais c'est bien comme ça d'avoir une sorte de journal de bord de ce qu'on a fait. Et donc, je fais ça pour le travail. J'ai étendu ça en fait à plein d'autres domaines. Je pense, que je suis tombé sur cette technique-là un peu par hasard quand j'apprenais la guitare, où je mettais toutes les chansons que je voulais apprendre, je les mettais dans mes favoris en fait. Et je me retrouvais à aller dans les favoris et en général, j'avais plusieurs versions d'une même chanson et je savais plus laquelle était mieux. En général, c'était parce qu'il y avait quelque chose qui était bien dans une version et moins bien dans l'autre. Et je me suis simplement mis à arrêter d'utiliser des favoris et à simplement copier sur mon ordinateur. Tout est propre, il n'y a pas de publicité qui flash de tous les côtés comme sur un site web. Et je peux personnaliser, je peux rajouter des notes et j'applique ça à tout en fait. Je porte plusieurs casquettes différentes. Donc j'aime les langues vivantes, mais de manière plus concrète pour gagner ma vie, j'ai commencé en écrivant des livres. Je suis programmeur, je fais le design, j'écris beaucoup de contenu en anglais. Actuellement, j'écris un blog, et du coup, ça crée des défis ou des problèmes différents. Donc j'ai par exemple, si je regarde rapidement mes notes, j'ai une partie sur le business où je note des statistiques sur différents sites. Ou des idées pour m'en inspirer. Pour la programmation, je note différentes technologies pour pouvoir replonger dans le sujet. En Et général, tu je fais tout ça programme. sur ordinateur ou c'est un Je fais carnet de tout ça sur papier? ordinateur. Je fais tout ça sur Ah, ok. ordinateur, avec pour avantage que je fais par exemple un fichier par langage de programmation, ou bien pour l'informatique, je vais avoir par exemple un fichier Dropbox.txt où je mets simplement des petites notes sur Dropbox qui peuvent m'aider le moment venu, ou des notes sur les langues, ou plein de choses différentes. Et c'est une sorte d'extension de ma mémoire cérébrale en fait, parce que à changer d'activité tout le temps, on peut pas être efficace. Je serai jamais un aussi bon programmeur que quelqu'un qui fait ça à temps plein, mais c'est quelque chose que j'aime faire, où j'ai un niveau qui est quand même correct, qui me permet de faire plein de choses. Et par contre, je programme pas toute l'année, donc si je passe 3 4 mois où je programme pas, quand je m'y mets, mes notes me permettent de me remettre dedans beaucoup plus rapidement.
Et c'est un gain de temps énorme et c'est un soulagement aussi. Parce qu'au lieu de se demander tout ce qu'on sait ou ce qu'on savait ou ce qu'on a résolu et être dans la confusion, eh bien, on peut revenir à ses notes et ça apporte de la clarté et c'est efficace. Ça fait penser à une technique, je ne sais pas si tu connais, alors c'est plus une technique de, on va dire, analogique, voilà, qu'il faut utiliser le papier, mais le bullet journal. Je ne sais pas si tu as Ah. entendu parler du bullet journal. En fait, Non. le concept, alors ça marche généralement pour les to-do list. Bon, en fait, tu fais des to-do list dédiées, donc tu as ta to-do list classique Ah oui, quotidienne, d'accord. etc. Et en fait, tu mets des signes pour dire quel type de tâche, et que c'est une tâche qui est lié à l'apprentissage, une tâche qui est liée au projet, un rendez-vous, etc. Donc, il y a cet aspect-là qui est intéressant. Et moi, là, ça fait penser surtout à ce qui est vraiment innovant avec cette pratique, c'est la notion d'index. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons qu'une personne a envie de prendre des notes, justement, mais sur papier. Pour s'y retrouver, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va noter en début de la page, en fait, le domaine dans lequel elle apprend. Donc ça peut être par exemple, alors moi j'en ai un justement, j'ai aussi un journal un peu comme ça, mais papier, où j'ai plusieurs domaines, donc il y a business, soft skills, qu'est-ce que j'avais mis? J'ai mis business, soft skills et inspiration de manière générale. Donc en gros j'ai trois catégories, et à chaque fois que j'apprends des choses, je note en haut la catégorie, je note toutes mes pages, et en fait au tout début du carnet de notes, j'ai un index dans D'accord. lequel j'ai par exemple du coup, j'ai la catégorie soft skills, et la catégorie soft skills, je sais que j'ai la page 3, 10, 15 et 25 dans lequel j'ai des notes sur les soft skills. Du coup, après, je peux aller retrouver facilement ces notes-là de manière par rapport à la catégorie en question. Et du coup, ça fait penser à ça pour les personnes qui seraient peut-être plus fans du papier, par exemple. Puis l'avantage du format papier, c'est que ça aide à être créatif. Je bosse toujours avec, alors j'ai beaucoup parlé de l'ordinateur, mais je bosse toujours avec une feuille de brouillon où je prends des notes sur les articles que je suis en train de faire ou des choses comme ça. Et parce que ça, on est beaucoup plus libre que par le, que sur ordinateur en fait, les fonctions pour dessiner, des choses comme ça. Mélanger du texte et du dessin sur ordinateur, c'est pas encore ça. L'avantage de l'ordinateur aussi pour tenir un journal, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire des recherches dedans sur des mots-clés ou des choses comme ça. Il y a des avantages et des désavantages aux deux, ça dépend de ce qu'on veut, je pense. Et aussi, donc tu disais, parce que par exemple, tu disais aussi en off que tu étais fan de biographie aussi, Ah oui. et j'imagine du coup que tu appliques la notion de prise de notes aussi dans tes lectures. Du coup, Alors, pour les lectures, c'est beaucoup plus basique. En gros, je lis avec mes doigts, j'ai envie de dire. Je lis sur Kindle 99%. Et le Kindle, en fait, dans le Kindle, il y a une fonction surbrillance. Il y a ça aussi sur. Enfin, c'est pas pour citer une marque en particulier, mais bon, le Kindle est le plus connu. Il y a aussi le Kobo, enfin, tout ce qui est liseuse électronique. Et ça permet, ben voilà, il y a une partie du livre qu'on aime bien, une phrase qui sonne bien, une citation qu'on aime bien, on surligne, on peut ajouter une note aussi. Et en connectant ensuite le Kindle à l'ordinateur en USB, ou en allant sur kindle.com, ou je crois qu'il y a d'autres manières d'y accéder aussi, on peut retrouver tout ce qu'on a mis en surbrillance. Et c'est super pratique pour faire des résumés de livres. Alors, je prends pas toujours le temps de faire des résumés parce que. C'est quelque chose que j'aimerais, mais j'utilise plus les biographies de manière intuitive pour absorber des points de vue qui m'intéressent et accumuler de l'expérience utile. Donc quand je suis face à un problème, je peux me demander ce que Steve Jobs ou Henry Ford ou Léonard de Vinci auraient pensé. Ce qui est intéressant aussi dans le fait de lire les biographies, c'est qu'en fait, en fait, il n'y a vraiment personne qui est parfait. Hein. Léonard de Vinci, il avait une partie sombre aussi. Steve Jobs, c'est connu aussi qu'il n'était pas toujours la personne la plus agréable au monde. Mais il y a tellement de sources d'inspiration. C'est comme d'avoir son petit mastermind pour le business ou de manière plus générale, c'est des sources d'inspiration. Oui, en plus, tu disais que c'est également intemporel. Donc voilà, tu parlais de Steve Jobs, Léonard de Vinci, et eux, ils sont plus là depuis bien longtemps. C'est pratique de pouvoir s'inspirer également de ces personnages-là, même pour des thématiques qui sont liées à notre quotidien. Ouais, parce que c'est des icônes, mais ils ont aussi un côté très humain quand on voit leur biographie, on voit les problèmes qu'ils ont eus. Personnellement, j'apprends beaucoup des biographies. C'est peut-être un livre sur cinq que je lis, c'est une biographie. Et de manière plus récente, ce que j'ai beaucoup lu l'année dernière, c'est des biographies d'entreprises.
Alors, qu'est-ce que j'ai lu? Il y a Jim Collins qui écrit pas mal de livres sur. Il raconte ce qui a amené à la chute d'entreprise ou au succès d'entreprise. Et du coup, ça permet d'avoir voilà, des biographies d'entreprise pour voir leur profil. J'ai lu une biographie sur l'histoire d'Amazon. Et encore, pas une société parfaite, il y a à côté sombre dans Amazon aussi, mais il y a plein de choses intéressantes. Et enfin, voilà, c'est une source d'inspiration et d'idées. Ouais, ça c'est intéressant parce que finalement on peut il y a deux manières d'apprendre entre guillemets par les livres. Il y a les non-fictions entre guillemets où c'est très méthode, bonne pratique, tout est bien packagé justement pour qu'on puisse nous mettre en pratique de notre côté, notamment bah, pour les livres business comme tu disais tout à l'heure. Mais après il y a ce type de livre où là le contenu est brut a priori. Donc la plupart du temps dans les biographies, et c'est à nous de voir qu'est-ce qui nous parle éventuellement par rapport à notre réalité à nous, et c'est là qu'on est dans l'inspiration quelque part. Il n'y a pas tout est à apprendre, il y a seulement certaines choses qui nous parlent à un moment donné et qui peuvent nous être utiles dans certaines situations. Ou des points de vue, des manières de penser vraiment précises. Par exemple, Steve Jobs, en gros, il y a beaucoup de personnes qui diront que c'était un connard. Alors, ça dépend aussi des périodes de sa vie. Quand il était plus jeune, il était plus dur qu'ensuite. Mais il y a deux concepts que j'ai trouvé très inspirants en lisant sa bio. Il était inspiré par son père adoptif qui, quand il construisait des meubles, faisait attention aussi à l'intérieur, aux parties non visibles des meubles. Et Steve Jobs a repris ça dans l'informatique, où en gros, quand il construisaient leur premier ordinateur, si les composants étaient mal soudés, ça marchait quand même, mais c'était pas beau, ça le gênait. Il voulait qu'il y ait une certaine harmonie dans le travail, en fait. En partant du principe que cette harmonie-là, elle va se répandre ailleurs, en fait. C'est limite ésotérique, mais c'est l'idée que, voilà, si on est carré d'un côté, même dans des choses qui apparemment n'ont pas d'importance, on sera carré dans tout et on fera des produits de meilleure qualité. C'est ce qui fait aujourd'hui la réputation d'Apple. Et une autre chose aussi qu'il utilisait beaucoup plutôt en tant que PDG, c'était. Si quelqu'un lui proposait une idée, en gros, il allait toujours dire non. Et alors, c'est peut-être pas forcément très fin, mais en fait, il disait non pour que la personne défende son idée. C'était une manière pour lui de filtrer les idées, en fait. C'était en gros quelqu'un qui aimait débattre un peu de manière systématique, ce qui peut être irritant, mais il y a une logique derrière qui permet vraiment de filtrer les meilleures idées et même de raffiner les idées qui sont bonnes mais qui sont pas encore assez mûres, par exemple. Et Ouais, ça fait réfléchir, je trouve. c'est intéressant parce que ça teste aussi le pouvoir de conviction. Parce que c'est vrai que souvent on est déstabilisé en tant que non, et surtout par quelqu'un comme Steve Jobs, on se prend un non en plein visage, il y a de quoi être déstabilisé. Ah, c'est intéressant ça, enfin, je médite dessus. Ouais, super, bon, on pourrait continuer comme ça encore des heures hein, là-dessus, il y a aucun souci, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Mais du coup, on arrive quand même à la fin de cette interview. Toi, aurais-tu un dernier message à partager avec nous justement par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Ben, dans ma conférence sur les langues, ce sera une conférence pour apprendre l'anglais et pour aider ses enfants à apprendre l'anglais. Et de manière plus générale, pour les personnes qui aiment apprendre, que ce soit l'anglais ou autre chose, on verra en application un peu partout le principe du morcellement. C'est l'idée que face à quelque chose d'énorme, de tentaculaire même, si on sait décomposer ça et en éléments plus digestes et organisés, eh bien, on peut quelque part faire face à n'importe quel défi. Et ça s'applique aux langues vivantes, ça s'applique à la programmation. La technique du morcellement, elle s'applique à n'importe quel sujet où on veut apprendre. Et donc, on verra ça dans la conférence sur les langues. Super, donc là il y aura à la fois des cas pratiques pour l'apprentissage des langues, mais en plus duplicables sur d'autres domaines. C'est ça, c'est ça. Et en plus, comme tu disais, c'est pas uniquement pour les adultes, mais c'est aussi si vous êtes parents, bah, vous aurez aussi des outils pour accompagner vos enfants dans cette dynamique. Donc en tout cas, bah, j'ai bien hâte de voir ton intervention. Donc je rappelle, hein, c'est mardi 24 janvier 2017 à 19 h pendant la semaine du développement. Donc Fabien Snohart. Merci beaucoup et bah, je vous dis à très bientôt et bah, à très bientôt du coup Merci pendant à la toi, semaine je du me salue développement. pas aussi et à tout le monde qui organise. Allez, salut! À bientôt, ciao.